faire ça. Merci. Alors, on retrouve Hervé, donc notre casting. Alors, on a décidé de faire un casting debout aujourd'hui, parce que regardez ce bel engin. Hein, bah, surtout parce qu'il y a le tennis demain, alors on est en train de se préparer à regarder le tennis. Sur nous... France 3 demain, ne ratez pas l'événement, on n'y sera pas, tant pis, mais il y aura du tennis. Voilà. Et nous recevons bonjour. Angélique Ruggirello, bonjour. Tout va bien ? Elle a un petit peu le trac, Angélique, je crois. Non, mais ça. Mais pourquoi ? Non, on est entre nous, regardez. On est entre nous, écoutez. Vous savez, le trésor avec vous, c'est que des amis qui exactement, voilà. Exactement. Alors, vous êtes chauffeur de camion, on dit chauffeur ? Oui, c'est ça. Chauffeur de camion. Surtout pas chauffeuse. Chauffeuse ? Non, ça n'existe pas au féminin, malheureusement. Oui. Ça n'existe pas encore. Et puis, vous, en fait, vous êtes, comment dirais-je, très lié à une association, les Truckers du Cœur. Je suis la vice-présidente, oui, des Truckers du Cœur. Qu'est-ce que c'est exactement le but de cette association ? Eh bien, on organise une manifestation tous les ans au profit de l'association ou d'enfants qui sont malades ou handicapés, et voilà. C'est beau ça. C'est beau. Mais d'où vient cette idée-là ? Le début de cette histoire, c'est quoi ? C'est des passionnés de camions qui se rassemblent ? Oui, c'est des passionnés de camions et qui veulent faire profiter les autres de leur passion, justement. Comment vous vous êtes retrouvés ? C'est d'abord l'envie de modifier vos camions. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui adorent le tuning, c'est-à-dire de transformer les camions, les personnaliser. Vous, vous avez un très joli camion, ça c'est pas le vôtre ? Non, c'est pas le mien. Non, je l'ai vu en photo, le sien est très beau. Exact, et surtout il est très grand. Elle m'a confié que celui-ci c'est un petit. Et il est très propre. Je vais me faire frapper là, si vous dites ça me tire. Parce que qu'est-ce que vous conduisez vous, Angélique ? Un tracteur, un Volvo. Un tracteur, un Volvo. Un Volvo, combien de chevaux ? 460 chevaux. Oh non, 500 chevaux. 500 chevaux. 600 voilà. Vendus. C'est impressionnant. Pourquoi vous êtes retrouvé dans une cabine un jour de camion ? Pourquoi je me suis retrouvé dans une cabine ? Par envie de liberté, en fait. Par envie de liberté ? Oui. Pour pas rester toujours au même endroit et avoir quelqu'un sur le dos. Et vous avez retrouvé cette liberté au fil des kilomètres ? Oui, non, oui. Il y a des moments où vous ne sentez pas de contraintes, d'éloignement ? Non. Non, pas du tout. Vous dormez dans votre cabine ? Oui. Oh, vous n'avez pas peur le soir ? Vous allez où ? En France, en Europe ? On fait principalement de la France. De la France ? Et qu'est-ce que vous transportez ? Moi, je suis en frigo. En frigo, oui, c'est-à-dire ? Donc on transporte du frais, du surgelé, des primeurs. Alors là, faut pas être arrivé en retard ni avoir de panne électrique. Non, il vaut mieux pas. Alors les Truckers du Cœur, c'est une association qui a une belle dynamique. Qu'est-ce que vous proposez comme événement ? Eh bien, le 17 et 18 septembre, et 18 septembre prochain, on organise un rassemblement sur le parking des 1000 places à Martigues. Et donc il y aura à peu près 120 camions qui seront exposés, donc tuning, décorés, des camions américains aussi. On aura des trikes. Vous avez d'autres associations qui vous rejoignent ? Vous avez des contacts avec d'autres ? Oui, on a des contacts. Et là, cette année, c'est organisé pour les Blues Roses, justement. Une association de Martigues qui s'occupe des enfants handicapés, enfin les gens qui sont à l'hôpital, hôpitaux. Hôpitaux. Voilà, c'est super. C'est très, très beau. On va maintenant vous laisser faire votre appel pour notre casting du 13h. Je vous laisse face à la caméra. Voilà, c'est à vous. Vous avez 30 secondes et vous pouvez lancer votre appel. Ok. Donc, on vous attend tous le 17 et 18 septembre sur le parking des 1000 places à Martigues. On compte sur vous, donc il y aura des stands, il y aura la buvette, il y aura de la restauration, il y a les camions décorés, il y a des trikes, il y a des motos, il y a des voitures, il y a tout ce qu'il faut pour organiser, pour une belle fête et pour un bon week-end. Super, je suis sûre que ça va très très bien marcher. Merci beaucoup Angélique. Merci d'être venue nous voir Angélique pour notre casting du 13h. Oh